Emmanuel. Bonjour, comment tu vas? Oh super, Emmanuel Petiot qui est avec moi aujourd'hui en bord de Marne. On marche, regardez. Enfin, vous voyez pas les signes, mais nous on voit les signes et tout. Hein? Ouais, c'est vrai que c'est top, je t'ai jamais venu. Merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être avec toi. Et puis, comme tu es une spécialiste de LinkedIn, tu es coach, formatrice, consultante autour de ces sujets, est-ce qu'il y a trois étapes que tu voudrais partager avec nous? Oui, alors vraiment, une des étapes vraiment les plus importantes, ça va être de vous construire une communauté. Donc, il y a vraiment trois étapes pour construire une vraie communauté. On ne parle pas de fans, on parle de communauté. C'est vraiment déjà de trouver les personnes qui peuvent être vraiment vous aider à prescrire vos services. Donc déjà, d'essayer de faire une analyse de recherche pour savoir vers qui vous pouvez aller pour qu'ils soient des prescripteurs. Donc ça, c'est la première étape, trouver les gens. Exactement. Trouver les gens. Comment tu fais pour trouver les gens? Ah ben, ça me prend 2-3 semaines. Je fais une analyse fine des personnes qui commentent souvent mes concurrents, qui sont intéressés par mes concurrents. Et dans ces cas-là, je vais me faire un petit fichier Drive, hein, très, très simple, ou un Google Sheet. Et là, dans ces cas-là, je vais pouvoir les contacter. Donc pour moi, c'est vraiment important. La première étape. Deuxième étape, c'est de vous intéresser aux gens. Ça veut dire que si vous leur demandez quelque chose sans avoir donné quelque chose avant, ben les gens n'ont pas envie de vous aider. Donc ça, c'est vraiment important. Je ne sais plus qui disait ça, c'est donner, ben donner, le réseau vous le rendra. Donnez-moi. Voilà, intéressez-vous aux gens, aidez-les à progresser, je dirais. Exactement, moi aussi. Exactement, donnez-leur des conseils aussi. Donnez-leur quelque chose, passez du temps au téléphone avec eux, c'est vraiment important. Au téléphone aussi? Ah oui, au téléphone, moi j'appelle tout le monde quasiment. Oh là là, d'accord. Ah oui. D'accord. Troisième étape, voilà. Alors. Et troisième étape, restez toujours en éveil par rapport à votre réseau. Ça veut dire que vous vous dites, j'ai une vingtaine de personnes que je dois vraiment rester avec eux tout le temps. Vous devez vous dire s'ils ne sont plus dans votre fil d'actualité, vous mettre un rappel mensuel pour aller rechercher leur flux d'actu et régulièrement les commenter et les zapper pour prendre des nouvelles. C'est vraiment super important parce que souvent le fil d'actu vous montre des choses qui ne sont pas spécialement ces personnes-là qui vont pouvoir vous recommander. Donc c'est vraiment une étape importante, c'est de continuer à garder le lien. Alors comment tu fais cette troisième étape? Parce qu'on sait qu'avec avec LinkedIn qui ne nous aide pas particulièrement à suivre l'une ou l'autre des personnes. Je me mets un rappel mensuel, à vrai dire. Je me dis, ah ben là, il faut que je recontacte cette personne-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, ou je vais l'appeler, lui envoyer un audio, lui envoyer un message, enfin peu importe la manière, je vais la recontacter. Donc si je résume, premièrement, il faut... Bah tu t'en rappelles pas? Non, déjà oh, plus. Bah alors okay. Dis-moi, premièrement, cherchez les personnes qui vont pouvoir vous aider à construire votre communauté. Deuxièmement, s'intéresser à eux, ça je sais. Ça s'intéresser, c'est vraiment important parce qu'il y a le vrai intérêt, le faux intérêt. Moi je m'intéresse vraiment aux gens. Je sais très bien qui me commente, enfin je connais les gens. Faut pas faire du faux. Et donc le troisième, tu t'en rappelles pas? Je sais, mais j'aime beaucoup quand tu fais ça. Alors. Donc le troisième, c'est de garder le lien constant pendant des mois et des années. C'est vraiment important. Penser aux anniversaires, se rappeler du coup du nom des enfants des autres. Enfin, vraiment de garder un lien humain. Ah ouais, je suis pas très bon là-dedans, moi. Alors, va falloir que je fasse des efforts, quoi, en fait, sur ce côté-là. On a tous des efforts à faire, parce surtout. Que je suis pas très social, en fait, dans la réalité. Non, c'est vrai, Ouais. Oh, bah, c'est quoi ça? Bon, et vous retrouverez Emmanuel, évidemment, Emmanuel Petiot. P-E-T-I-A-U, et pas comme le docteur Petiot, hein. Voilà, sur LinkedIn, évidemment, c'est facile de la trouver sur LinkedIn, c'est sa spécialité. Voilà. Et vous la trouverez aussi, d'ailleurs, sur une vidéo en train d'entreprendre qu'on vient de faire avec nos amis, là, tout à l'heure. Voilà. Ou dans des écoles de commerce, où je donne des cours. Voilà. Écoutez, on vous souhaite une bonne journée. Je ramène Emmanuel au RER. Merci. Salut Emmanuel. Merci Loïc, à plus. Bye bye. Bye. Eh bien, je viens de quitter Emmanuel Petiot, et je rentre par les bords de Marne, comme d'habitude. Et regardez ceux qui font de l'aviron, et puis nos amis les cygnes qui les regardent. C'est quand même agréable d'être dans ce genre d'environnement lorsqu'on travaille. Et moi j'adore faire ce genre de rendez-vous en marchant. Donc si vous voulez me rejoindre au Perreux-sur-Marne un de ces prochains jours pour un rendez-vous en marchant avec évidemment nos masques pour l'instant, eh bien vous êtes les bienvenus. Donc voilà, hop, je vais me remontrer sans masque. À bientôt. Bonne journée à tous. Et puis alors pour ceux qui veulent, il y a un social selling forum, hein, bientôt, enfin il y en a toujours d'ailleurs. À bientôt.